Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver, excellent réveil, excellente matinée, bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale, bienvenue sur Canal, on est en direct jusqu'à 10h30, c'est le dernier jour du week-end pour toute l'équipe qui vous a accompagné depuis vendredi. Alors ce matin, camarades, on se retrouve pour une émission de 90 minutes, d'abord avec l'équipe du dimanche. Et l'équipe du dimanche, c'est Myriam Oussaïd qui va nous parler des iris, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas, mais vous allez peut-être les redécouvrir ou découvrir aujourd'hui. Il y aura Siam Knouch chez ces fameux contes, Gilles Alimer, comme chaque deux fois par mois, chaque bimensuel, ouais, c'est comme ça, son rendez-vous bimensuel avec nous. Aujourd'hui, il va parler du look express et il y aura Hakim Keshroud qui va parler sport. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on s'arrêtera également sur le Tour d'Algérie de cyclisme avec Wassila Batich en direct du Tour d'Algérie. Alors, ce matin aussi, plusieurs invités ont fait le déplacement juste pour nous. Alors, d'abord, on va parler de la journée maghrébine du don du sang, ça tombe très bien. Il fait son retour dans l'émission, Qadour Gharbi. Il est président de la Fédération Algérienne des Donneurs de Sang. Il ne sera pas seul, il sera avec Dr Shahrazade Bentine, elle est médecin. Le don du sang, on en est où? Qu'en est-il de la célébration de la journée maghrébine il y a quelques jours? Mais pas que, on va parler un peu de cette problématique. À suivre aussi, alors que je retrouve l'info exacte, exacte. Je retrouve l'info exacte, exacte. Ouais. C'est peut-être l'effet de vous avoir à côté. J'ai toujours dit, ma seule exigence, c'est de ne jamais avoir personne pendant un sommaire. Et vous êtes là. Eh ben raté. Je suis là. Ouais, c'est exact, exact. La fausse note est à l'image. Allez, c'est parti. Ce qui est sûr, c'est quand même l'arrivée, c'est pour la météo. Et ce matin, on va parler d'un événement avec Abdelwahab Zeggar. Il est directeur général de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels. Avec lui, retour sur cette conférence, ce séminaire qui aura lieu demain. Ça se passe à l'hôtel Lauraci sur le tourisme culturel. Un partenariat durable au service de la destination algérienne. On parle tourisme, patrimoine et culture. Quand les deux se rencontrent, ça donne cette conférence organisée par les deux ministères. Ça se passe donc demain au ministère de Lauraci. Oui, à l'hôtel Lauraci, et ce sera l'occasion d'en parler avec Abdelwahab Zeggar. Aussi, retour sur une journée qui sera célébrée demain, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme avec Badia Boufama. Elle est présidente de l'association donc en question, et elle sera accompagnée d'un jeune qui active beaucoup sur le terrain. Il s'agit de Sid Ahmed Aïssi qui sera avec nous pour parler donc de cette journée. Est-ce qu'on va s'habiller en bleu demain aussi ou pas? Ben, c'est les réponses que vous aurez avec nos deux invités. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. N'hésitez pas à nous écrire. Ça se passe aussi sur Twitter, Instagram et Facebook, @MehrezRabia, ou sinon la page de Canal Algérie. Bienvenue chez vous, c'est parti pour la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Ah ouais, non, vous saviez ou pas? Non, je savais. On est en test HD. Très bien. Oh, oh bah oui. Oh, non, je vous jure. Hein. Il y a le test HD pour les chaînes terrestres. De l'EPTV, l'entreprise publique de télévision. Ouais, à partir de... C'est déjà en test. Hein. C'est déjà en test. Donc vous avez les deux. Vous avez Canal Algérie normal et Canal Algérie en HD. En HD. D'accord, voilà. Oui, c'est bon de le savoir. Bientôt, vous pourrez voir toutes les balafres de chacun. Ah, j'ai pris un coup de couteau là. Ça se cachait bien avant. Ah oui. Là, plus maintenant. Là, ça va se voir. Ah non, non, là, ça va être un peu chaud. Là, ça va être un peu chaud. Alors du coup, la matinale de ce matin et la météo, ça se passe avec Amel Laribi. Merci Mahaz, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera généralement dégagé sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, mais plutôt voilé vers l'intérieur, les hauts plateaux, ainsi que vers les Aurès. La moitié sud connaîtra un ciel localement nuageux sur le Nord Sahara, les oasis, le Sahara central, ainsi que le nord du Sahara oriental, et à noter quelques pluies éparses au Sahara central, ainsi que les oasis. Et deux fréquences seulement de sable sur le Nord Sahara. Partout ailleurs, le temps restera bien sûr généralement bien ensoleillé. Les températures, quant à elles, elles vont remonter sensiblement, mais plus à l'ouest, avec toutefois un maximum de 25 du côté de Mascara, 24 à Tlemcen, 23 degrés à Oran, 19 à Alger, 20 du côté de Sétif, 18 à Batna, 21 à Djelfa Al-Biod, 17 du côté de Batna, 26 vers Biskra,
Bar, 27 Gardaïa, 28 degrés à Béchar, 29 Hassim Sourd Ouargla, 32 Taman Rasset Djanet, 34 à Tindouf, également à Drar, et enfin le maximum toujours à Borj Bedi Mouhtar et Ingzem avec 37 degrés. Et comme d'habitude, on va faire une petite escale du côté de l'Europe où le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé, plus exactement à Bordeaux, Paris, Marseille. Quelques pluies intéresseront la ville de Varsovie, mais un temps nuageux et pluvieux à Dublin, Londres. Par contre, le soleil sera bel et bien présent et au programme à Copenhague, Berlin, Prague, Berne, également Rome, Budapest, Bucarest, Athènes et Madrid. Le mercure, quant à lui, affichera 5 degrés à Copenhague, 6 à Varsovie, 8 à Berlin, 9 à Dublin, 20 degrés à Paris, 12 à Londres, 16 à Marseille, 22 à Bordeaux, 19 à Athènes, 16 à Bucarest, 13 à Budapest, 18 degrés vers Lisbonne, Madrid ainsi qu'à Rome et enfin le maximum cette fois-ci à Bordeaux avec 23 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Eh ben oui, la météo, c'est tout à l'heure le prochain rendez-vous. Nous, on se retrouve dans quelques instants, mais juste avant, hier, elle était sur scène. C'était du côté du Cabaret Sauvage en France. Une salle de spectacle, d'ailleurs, qui a réuni des artistes algériens venant de tous bords. Il s'agit de Souad Asla. Hier, c'était organisé par l'ONDA, l'Office National des Droits d'Auteur et des Droits Voisins. C'était histoire de réunir toutes les forces créatives. Ah oui, les artistes algériens établis de l'autre côté de la Méditerranée autour d'un concert, histoire de discuter de leurs droits, histoire de les réunir et surtout histoire de leur parler de leurs droits. C'était avec l'EDG de l'Office National des Droits d'Auteur et des Droits Voisins. Alors ce matin, on a décidé de vous faire passer Souad Asla. Allez, c'est parti en musique, on se retrouve juste après.
On va en parler ce matin. Ça tombe bien. Vous aimez bien la musique, sur Herbie? La musique. La musique. Ouais. Oui. Vous écoutez souvent de la musique? Pas souvent. Non, je suis. Pas tellement. C'est votre choix. On a écouté dans le temps. Dans le temps. À l'époque du twist. Oui, bah oui, peut-être. Docteur Bendine, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Docteur Shahrazad Bendine, vous travaillez à l'Agence nationale du sang. Bienvenue sur le plateau. On parle avec vous aujourd'hui de la journée maghrébine du don du sang. Avec nous, Qaddour Gharbi. Bonjour, bon retour. Bonjour. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. Hein. De temps en temps. Hein. Ah, ça fait du bien en tout cas de vous revoir. Non. Président de la Fédération algérienne des donneurs de sang. Oui. Aujourd'hui, on est ensemble pour célébrer donc cette journée qui elle-même a été célébrée le 30 mars dernier. Ouais, j'allais dire avril. Le 30 mars dernier, c'était vendredi. Ça a été célébré sur les quatre coins du pays. Enfin, dans les quatre coins du pays plutôt. Et ça tombe bien, il y a deux types de célébrations. Il y a la célébration de l'Agence nationale du sang et il y a la célébration de la Fédération algérienne des donneurs de sang. On en parle ce matin avec vous. Alors, la thématique choisie cette année, le courage vient du partage. Docteur Bendine, oui. Que voulez-vous dire par là? C'est-à-dire que donner son sang, aller donner son sang, c'est le partager. Oui. Et donc, le partager avec le malade. Oui. C'est ça l'objectif. Et donc, c'est une forme de courage. C'est une forme de courage. Et d'héroïsme. Oui. Bah oui, le don de soi, c'est bien ça. Alors, des activités ont été organisées un peu partout. D'ailleurs, ça a commencé jeudi pour l'Agence nationale du sang. On a commencé avec la signature d'une convention avec le jardin d'essai. Oui. Que va-t-il se passer? Alors, c'est beaucoup plus pour la collecte et le don de sang, sensibiliser les citoyens, sensibiliser l'opinion publique pour le don de sang. Ouais. Vous savez que cette année, pour l'année 2017, il y a eu une évolution de 6,57% par rapport à l'année passée. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on est en train d'activer. C'est ça. Mais ça va se traduire comment avec le jardin d'essai? Donc, il y aura des journées de collecte, surtout en été, surtout pendant les vacances où les gens vont vers le jardin d'essai. Oui. Donc, il y aura le durant les périodes de forte affluence. Voilà, durant les périodes de forte affluence, il y aura des collectes de sang qui vont se traduire par une augmentation du nombre de donneurs. C'est ça l'objectif. Il y a aussi un partenariat avec la DGSN. Oui. Oui. Donc, ça fait déjà longtemps qu'on travaille avec la DGSN. Ouais. Et chaque année, on a des collectes ciblées où le personnel d'ADGSN, vraiment, qu'on remercie, active dans ce sens, avec nous. Qu'est-ce qui fait le succès de l'année 2017, selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'on a augmenté de plus de 6%? C'est la sensibilisation, on a travaillé dessus. On a travaillé énormément sur la sensibilisation. Donc, les gens sont plus motivés, ils sont plus confiants pour donner leur sang. Ouais. Voilà. Simplement. Bah oui, ça tombe bien, le don du sang. Chez les donneurs, ça se passe comment? Il y en a toujours un peu plus, monsieur Gharbi. Premièrement, nous remercions quand même qu'en Algérie de nous avoir offert ce plateau. Ah, vous êtes chez vous, monsieur Gharbi, vous le savez. Mais merci beaucoup. Pour parler un petit peu de la culture du don du sang, il faudrait que cette culture qu'elle soit dans l'esprit de tout un chacun, parce que le sang concerne tout le monde, mais personne n'est à l'abri d'un accident ou des maladies. Surtout inclure à l'élève dès son jeune âge ce que c'est que la culture du don du sang pour que l'élève qui puisse aussi sensibiliser ses parents. Il faut que ce soit aussi au niveau des scouts musulmans, au niveau des mosquées, parce que c'est le seul lieu où le message passe. Nous remercions également la DGSN d'avoir organisé à chaque événement des journées du don du sang, et ce à travers le territoire national. Et ce que nous souhaitons aussi, que d'autres institutions prennent quand même l'exemple de la DGSN pour qu'ils puissent organiser aussi des journées du don du sang. Le don du sang, ça concerne tout le monde. Personne n'est à l'abri, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un accident ou d'une maladie. Sachant personnellement qu'il y a certaines pathologies comme les cancéreux, les diabétiques, surtout les enfants, les thalassémiques ou leur corps ne fabrique pas ou n'a pas assez de globules rouges, donc on semble obligé de perfuser périodiquement. Si on ne trouve pas de sang au niveau des hôpitaux, donc ces enfants-là meurent. C'est pour ça que nous lançons un appel à toute la population âgée de 18 à 65 ans et en bonne santé d'y aller offrir
une petite quantité de sang, c'est une goutte sur 16. Et là, également aussi, le donneur de sang, il a quand même plusieurs avantages. Il a l'avantage divin d'avoir sauvé une vie en danger de mort. Il a l'avantage aussi, il bénéficie d'un bilan sérologique gratuit, parce qu'il y a des personnes qui sont porteuses de maladies et qui ignorent. Ouais. Et à travers le don du sang, on découvre ces maladies et la personne prend en charge cette maladie avant que la maladie se développe sur son corps. Et il bénéficie aussi de la carte de coupage qu'il doit apporter constamment sur lui. Ouais. C'est important ça. Ah oui, c'est très, très, très important. Ouais. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, le sang concerne tout le monde. Il y a des personnes qui sont un petit peu craintifs. Au niveau de chaque CTS ou chaque hôpital, il y a un médecin qui reçoit le donneur de sang. Il y a un questionnaire médical. Le matériel de prélèvement est un matériel stérile à usage unique et jeté par la suite. Donc il n'y a aucune crainte de ce côté. Alors que devient le sang? On en parle dans quelques instants, si vous le permettez, M. Harbi. Alors beaucoup se sont plaints, il y a un moment déjà, du fait que quelquefois certains se déplaçaient jusque dans les hôpitaux, dans les établissements hospitalo ou universitaires, et qu'ils n'arrivaient pas à trouver le lieu où donner réellement du sang. Il y a eu le cas de l'hôpital de Bablouette qui a été cité d'ailleurs. Où donner son sang? Oui. Vous savez que l'Agence nationale du sang a un site, oui. www.ans.dz. Et dans les différentes rubriques de ce site, il y a pour l'Algérie entière, où donner son sang. Oui. Donc, les gens qui ne savent pas où aller donner leur sang, il y a tous les mois le tableau avec le lieu où est parqué le clinomobile, les différents clinomobiles de l'Algérie. Oui, mais vous savez très bien que les clinomobiles ne suffiront jamais pour couvrir. Il y a les centres au niveau de chaque hôpital. Oui. Au niveau de chaque hôpital, il y a une structure de transfusion sanguine où on donne son sang. Et comment appelle-t-on ces structures-là? Soit des CTS, des PTS ou des banques de sang. Oui. Voilà. Parce que je me rappellerai toujours d'une mésaventure radiophonique, oui, où nous étions en direct, où nous avions reçu, alors que nous, à l'époque, j'étais sur une radio nationale et non pas une radio locale, oui, mais un appel de détresse disant « nous avons besoin de sang à tel endroit, pour tel cas et tel patient ». Donc du coup, beaucoup de personnes s'étaient déplacées à l'hôpital de Bablouette. Je pourrais même vous donner l'horaire, il devait être 17h30, 18h. Et ces mêmes personnes ont rappelé le lendemain pour dire « nous sommes déplacés pour rien, car même au sein même de cet hôpital, personne n'arrivait à nous orienter ». Normalement, toutes les structures de transfusion sanguine travaillent 24 sur 24. Je vous raconte une anecdote. Voilà. Anecdote. Ça reste une anecdote. Allez, justement, au niveau de l'hôpital Bablouette, le CTS, il se trouve à l'entrée de l'hôpital, à l'entrée, ouais, à gauche, à droite. Donc, ce qui m'étonne, c'est qu'ils disent qu'on n'a pas trouvé le CTS. Le CTS se trouve à l'entrée de l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils ont été baladés par le personnel pendant quelques heures. Voilà ce qui avait été raconté à l'époque, et c'est pour ça que c'est très bien. Donc on appelle ça un CTS. Quand on arrive dans un hôpital, on demande le CTS. Centre de transfusion sanguine, un poste de transfusion sanguine, c'est selon leur activité. C'est ça. Ou une banque de sang. Voilà. C'est ça. Alors, parlons-en. Que devient le sang des volontaires? La question vous est posée à vous deux, monsieur, madame. Alors, le sang, il est séparé, oui, analysé, puis stocké. Stocké où? À quel niveau? Au niveau de la structure où on donne le sang. D'accord. Voilà. Et utilisé? Bien sûr, il est utilisé pour les malades à la demande des médecins. C'est ça. Utilisateurs, bien sûr, les services. Le sang, on peut le conserver combien de temps? Ça dépend. Le sang total, il peut se conserver entre un mois et 40 jours maximum. Oui. Les plaquettes, c'est entre 3 et 5 jours. D'accord. Parce que le sang, une fois que le sang est donné, le sang, il est analysé. Si la pochette est saine, donc... elle est mise sur circuit à la disposition du chirurgien. Et si la pochette où il y a un doute, donc on convoque le donneur de sang et on prend en charge le donneur de sang. Et le sang est fractionné en globules rouges, en plaquettes et en plasma. D'accord. Donc le malade, c'est-à-dire la pochette va servir à 3 malades. Si vous avez besoin de globules rouges, vous prenez le globule rouge, le plasma ou
ou les plaquettes. Surtout pour les cancéreux. D'accord. Oui. C'est selon le conservateur aussi. Oui. Donc les globules rouges peuvent être conservés 35 jours ou 42 jours. D'accord. Les plaquettes, donc 5 jours maximum, et le plasma, une année. C'est pour ça qu'on demande à chaque fois un appel à la population, parce que le sang ne se conserve pas longtemps. C'est cela, on ne peut pas donner aujourd'hui en se disant dans 6 mois, mon sang va servir. Voilà. Les hommes peuvent donner jusqu'à 4 fois par an, les femmes jusqu'à 3 fois par an, sans aucun risque. C'est cela. Oui. Vous avez donné longtemps, vous, monsieur? Oui, 160 fois. 160 fois. Oui, et on vous a obligé à vous arrêter, à ce qui paraît? Ah, bah 65 ans, bien sûr. C'est obligatoire, hein? On ne peut même pas tricher là-dessus. Et c'est la meilleure hormone qu'on peut faire à un malade. C'est ça. Au lieu de d'offrir, je sais pas moi, un paquet de gâteaux ou des bananes, on lui offre une pochette de sang, et ça lui rend sourire, ça lui rend la vie, et ça lui rend le... Y a-t-il plus de donneurs de sang? Ben, les donneurs de sang, on en recrute, oui, de jour à l'autre. Et il ne faut pas oublier qu'au niveau mondial, au niveau de l'OMS, où ils nous donnent en moyenne de 10 donneurs de sang pour 1000 habitants. Oui. Alhamdoulilah, en Algérie, nous sommes à près de 14 donneurs pour 1000 habitants. Donc, on a dépassé la moyenne de l'OMS. Et on lutte toujours pour encore améliorer cette... Puisqu'on est en augmentation chaque année. Y a-t-il des villes où il y a plus de donneurs que d'autres? Y a-t-il des villes à la traîne, oui, en réalité? Oui, bien sûr, c'est normal. Je dirais Constantine, Aineba, parce qu'aussi il y a la demande. Ouais. C'est les grands CHU, donc il y a plus de dons. Mais pratiquement, dans chaque ville, c'est selon le besoin. Le don de sang, c'est aussi selon le besoin. Il ne faut pas aussi enlever du sang et le jeter. C'est ça. Donc, il y a 224 structures sur le territoire national. Et chaque structure fait des collectes de sang en fonction de ses besoins. Que devient le sang qui n'est pas utilisé? Le sang est utilisé. Ah, il est utilisé. Dans tous les cas? Dans tous les cas. Il n'y a jamais eu de... Bon, il y a des groupes, par exemple, AB, qui n'est pas très utilisé, mais pas en général quand on va prélever. Le AB, on c'est cible un receveur aussi. Universel, c'est cela? Non, le O positif est donneur. Le O est négatif beaucoup plus. Et le AB, receveur universel? Le receveur universel. Oui. Mais il est donneur universel en plasma. C'est cela. Et ce que nous demandons aussi, toutes les personnes qui sont porteuses de groupes rares, de se faire connaître au niveau des hôpitaux. C'est ça. Se faire inscrire, parce qu'eux-mêmes, quand ils auront besoin de ce sang, ils vont trouver toutes les personnes porteuses du même groupe. C'est pour cela que nous demandons à toutes les personnes porteuses de groupes rares de se faire connaître au niveau des hôpitaux, pour que même lui, ça peut le protéger dans l'avenir. Si les groupes rares sont... Pardon? Alors, O négatif. Oui. Beaucoup plus O négatif, A négatif. Bon, c'est des rhésus, beaucoup plus en rhésus, nous parlerons. Oui. Puis après, on passera au phénotype et tout ça, bon, mais... Mais les rhésus, c'est O négatif, A négatif, B négatif, AB négatif, tout ce qui est négatif, beaucoup plus. Voilà. D'accord. Et surtout le AB négatif, où il y a le 0,5% de la population. Donc, mais ils peuvent recevoir d'autres groupes. C'est ça. Sachant que deux tiers des donneurs sont bénévoles. Oui, en plus. Ah ouais. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Et nous réitérons aussi de lancer un appel à toute la population âgée de 18 à 65 ans d'y aller à n'importe quel hôpital, n'importe quel CTS, pour, comme j'ai dit tout à l'heure, d'offrir une petite quantité de leur sang. C'est une goutte sur 16. Wallah la yuvi ajal mahsinin. En tout cas, merci pour votre message. Quels sont les, peut-être pour les mois à venir, un mot sur l'Agence nationale du sang? Nous avons la journée nationale au mois d'octobre. La journée internationale au mois de juin. Le 14 juin. Oui. La journée mondiale le 14 juin et la journée nationale du 25 octobre. D'accord. Mais on ne parlera pas de l'Agence nationale du sang que pendant les journées de célébration. Non, pas du tout. Ce serait quand même dramatique. Parce que nous avons aussi nos partenaires. Oui. Nous travaillons avec nos partenaires. Ministère des Affaires religieuses, la FATS, bien sûr. Nous avons aussi l'éducation, parce qu'il y a des cours pour les enfants sur le don de sang. Il y a aussi des activités
artistique. Et il y a aussi des campagnes nationales au niveau avec le ministère de l'Éducation. Et nous sommes les fournisseurs de cette matière première. Ouais. Qu'aucune machine au monde ne peut fabriquer, il n'y a que les donneurs de sang. C'est vrai en plus. Il n'y a que l'être humain. Nous sommes les fournisseurs de cette matière première. Nous fournissons à travers l'agence du sang, à travers les hôpitaux. Merci encore. Merci d'avoir été avec nous. Rappelons que Shahrazad Bendine, médecin donc à l'Agence nationale du sang, Abdul Gharbi, président de la Fédération algérienne des donneurs de sang. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve bientôt. Et on se retrouve rendez-vous le 14 juin, Inch'Allah. Le 14 juin. Ou peut-être avant. Bah, peut-être avant. Peut-être avant, avec Ramadan. Ça, et ce que nous pouvons vous demander, c'est de temps en temps, de lancer un flash, sensibiliser la population, ne pas attendre que les journées d'événements, de temps en temps, lâcher des flashs pour le don du sang. En tout cas, merci à vous. Fédération algérienne des donneurs de sang, elle vous répond en tout cas à travers ce fascicule. Mais vous avez également l'Agence nationale du sang qui se trouve aux portes de Tirsraïm. Vous êtes à Tirsraïm ou encore à Saïd Hamdin ? Non, toujours à Tirsraïm. Oui, parce qu'il y a la frontière, parce que vous êtes vraiment à la frontière Saïd Hamdin-Tirsraïm. Oui. Ouais. Merci encore, merci d'avoir été là. Allez, camarades, nous on se retrouve dans quelques instants avec Abdelwahab Zaggar. On va parler de cet événement. Il aura lieu demain, ça se passe à l'hôtel Loracy, avec plusieurs ateliers d'ailleurs. On parle tourisme, culture et patrimoine, la relation entre les deux. Ça tombe très bien, c'est les deux ministères qui organisent cet événement, mais ce sera juste après ce reportage de Naïma Loualich sur le centre équestre qui se trouve à Boussada. Boussada, en même temps, c'est la ville des chevaux. Allons-y. À Ara, à Boussada, ça ne court pas les rues et le club Al Mustaqbel a seulement une année d'âge. On y entraîne chevaux, cavaliers pour courses d'endurance et fantasia. L'entraîneur Saleh connaît bien ses équidés qu'il fréquente depuis le début. Le nom du cheval Fali. La race Barbe, puisque le mise à terre du cheval Barbe, la force, c'est souffle de gazelle, la race pur sang arabe. Le mise à terre, le hissan arabe, l'asir, le pur sang arabe, sur'a, istikhdam ta'oum anata yikoun fil kours, sibaqat l'khayl. Le nom, Niki, la race, demi-breton, l'estimal taha, un cheval de trait. 24 000 dinars pour une licence d'équitation accessible en 4 mois, les cavaliers s'entraînent dans cet hippodrome deux fois la semaine. Ils viennent de toute la région et sont tous confiés à l'autorité de Salah. Nous jetons la santé, Banar Dambé. Non, une faute. Où je gonne à les tipi, gonne pas derrière le cheval. C'est bon. Ville, chat qui m'a, un fil brossa. Hein? Nejbed, Andy. Nejbed, Andy, roi chouvena, roi bechouf, Nejbed, Andy, comme ça, on ardem. Yidi, hier les trois, mais si ouji, qui qu'on ardem, où je gonne le risque, où je gonne à du semoua, à du semoua, zaouia l'amia. Un cheval, mais chouvich, rahia tchakdek, blirak, adou. Folklore local très prisé, la fantasia peut être transmise ici en dehors du cercle familial. À chaque cheval sa spécialité et même ce cheval à trait attend son heure. Fennadi tana, hna fi Boussada, adna firqa ta fantasia. Nalmo kaynin ma'natha di cavalier, yhbou yta'lmo el furousiya taqlidiya, lianha fi el haqiqa hiya el asl, w minha stantajna hada el riyada ma'natha l'équitation moderne. Dans ce club équestre, on fait également de l'élevage et ce robuste étalon, 11 ans d'âge, lauréat du premier prix d'Alger, est là pour ça. Il est gardé bien loin de la jumenterie qui compte une vingtaine de bêtes. En tant qu'éleveur, à l'échelle de la région de Boussada, j'ai un élevage de persans arabes et arabes. L'objectif, c'est d'améliorer le cheptel de persans arabes et d'avoir une meilleure qualité dans la région. Mon problème, c'est l'orge. On a une quantité qui est insuffisante pour le cheval. Au lieu d'avoir au moins 4 ou 5 kilos par jour pour le cheval, il ne permet de ne vendre que 2 kilos par cheval. Si le club est une aubaine pour les amateurs de la chose équestre, il n'en demeure pas moins qu'il est difficile à entretenir. Du reste, il y a grand espoir à ce que des pépites soient découvertes ici, tant du potentiel il y a à Boussada. Yeah.
Alors, mesdames, messieurs, ce matin, donc, vous avez déjà été à Boussaada, monsieur Zga? Oui, bien sûr. Vous connaissez bien? Oui, bien sûr. La ville d'Étienne-Dilé? Oui. Et pas que. Hein. Et très belle comme ville. Oui. Très, très belle. Alors, du coup, vous êtes Alger, ça c'est sûr. Alors, du coup, oui, ce qui est sûr, c'est que ce matin, on va parler d'un séminaire, d'une... D'une journée d'études. D'une rencontre. Ça, ce sera juste après d'abord. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé de la Casbah. Ben, on a parlé de beaucoup de choses, oui, de la Casbah surtout. On a la journée internationale sur la Casbah. C'est cela. C'est bien organisé passé. Organisé par l'UNESCO, oui, très bien. Des résultats magnifiques. On s'était vu avant, mais pas après. Oui. Quelles étaient les recommandations? Tu m'avais dit que tu devais revenir, tu ne m'as pas invité. c'est vrai en plus. Alors du coup, quelles étaient les recommandations? Parce que ça tombe bien, parce qu'en réalité, ce dont on va parler dans quelques instants, c'est en fin de compte, c'est lié, oui, parce qu'on parle patrimoine, culture, promotion de la destination Algérie et culture. Il y a 15 experts qui sont venus de partout. Oui. Hein, et qui sont venus un peu nous raconter ce qu'ils ont vécu, eux, avec leur centre historique. C'est-à-dire que, et en les écoutant, on s'est dit, tiens, ben, on a les mêmes problèmes. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul à avoir les problèmes à la Casbah. On a écouté Rio, on a écouté les histoires de favelas, on a écouté le Cubain, qui nous a raconté un peu par rapport à la ville de La Havane. Et puis on a écouté Barcelone, Turin, même jusqu'au Liban, etc. Et bien à la fin, on a un petit peu tiré les expériences de ces experts-là, et on a mis en place une feuille de route. C'est-à-dire là, qu'est-ce qui ressort? Le rôle des associations, le besoin d'injecter des activités modernes et artisanales à l'intérieur du tissu, gérer les populations d'une certaine manière, c'est-à-dire axer beaucoup sur le mouvement associatif pour drainer un peu ces populations qui sont un peu perdues dans ce tissu. Mais si tu veux, je peux t'envoyer la liste de toutes les recommandations. Enfin, elles ne sont pas énormes, il y en a une dizaine de points. Et la suite, c'est que tout de suite, le Wali a mis en place un quatrième sous-comité de régénération de la ville. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait, au départ, on avait trois sous-comités, le comité patrimoine, le comité population, le comité réseau, et le quatrième vient de naître juste après la conférence internationale, c'est celui de régénérer la ville, en considérant que ce site historique n'est pas isolé. Ouais. C'est pas un tissu mort, il fait partie de la ville, de la capitale, c'est le cœur battant de la capitale. Il fallait absolument penser à injecter des fonctions nouvelles et, voilà, pour le redynamiser. Voilà, c'est en cours. Eh bien, on en parlera, on aura l'occasion. On en parlera, oui, si tu veux. Alors maintenant, par rapport à... Je voulais juste votre avis sur... Alger peut-elle être une ville de vélo? Oui, bien sûr. Oui, on peut. Ah ben, malgré la... Malgré la pente, la géographie, oui. Il y a eu, il y a une association qui a organisé une course à vélo à l'intérieur de la Casbah. Oui, c'est bien ça. Oui, motocross, plutôt vélo-cross, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Ouais. Et ils escaladent les escaliers avec les motos ou avec les bicyclettes, pardon, où ils descendent. Oui, mais c'est très sport. C'est très sport. Mais est-ce que nous sommes une ville de vélo, selon vous? On peut l'être. Les jeunes dont je viens de parler ont traversé la Casbah comme ça, c'est-à-dire de haut en bas. C'est ça. Mais on peut la traverser comme ça. C'est ça. Sans souffrir forcément de la pente. Pas forcément comme ça. On peut prendre des ruelles qui font, c'est ce qu'on appelle le chemin d'âne. Oui. C'est faire ça, un zigzag jusqu'en haut. On peut le faire, oui, ça peut se faire. C'est ça. C'est des horizontales, des transversales, oui. Ça peut se faire, oui, bien sûr. Mais y a pas que on rallonge le parcours, mais c'est tout aussi agréable. Il n'y a pas que le vélo, il y a aussi le skate. Le skate aussi, les jeunes veulent pratiquer le skate. Alors, on est en train de réoccuper les espaces libres de la Casbah. Oui. Je t'ai parlé de l'initiative qui a été faite pendant les journées internationales de la Casbah, et on a occupé une dizaine de places où on a fait de la peinture des murs et tout ça. C'est Casbah Behind the Legacy, et ça a donné de très bons résultats. Là, ça redémarre. Ça a pas choqué les conservateurs? Au départ, oui. Ouais, parce qu'on a un gros problème chez nous. Enfin, je vous demande pas d'être d'accord avec ce que je dis, ni de cautionner tout ce que je vais dire. Non. Tout ce que je dis me concerne moi, tout ce que vous dites vous concerne. Oui. Donc, au départ, je vous rassure là-dessus. Au départ, il y a eu ça, mais les jeunes de la Casbah,
les jeunes de la Casbah dont on ne parle pas beaucoup. Oui. Hein, ce n'est pas simplement des vendeurs de cigarettes et de... Jamais dit ça, heureusement. Non, non, oui. J'ai dit, les jeunes de la Casbah, très branchés, oui. Ils ont très bien aimé ça. Ils ont même accompagné ces artistes qui étaient... Qui ont fait un peu de la calligraphie sur des... Calligraphie, peinture, ouais. tout ça. Ils les ont même accompagnés, aidés aussi. À monter les échafaudages, à démonter, etc., etc. Et ça a fait un très bel événement. Ils ont senti, ces jeunes de la Casbah, qu'ils sont eux aussi branchés. Ouais. Branchés, c'est très important. Donc, il va y avoir un autre événement, très prochainement. On va relancer encore l'aménagement ou la décoration de placettes abandonnées, libres, etc. Voilà. C'est bien, ça. On aura l'occasion d'en parler, M. oui. Abdelhab Zilgar. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est un peu la continuité. Hein. C'est cette, alors, c'est le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat qui organisent une conférence nationale sur le tourisme culturel sous la thématique « Le tourisme culturel, un partenariat durable au service de la destination Algérie ». C'est en la gros, première fois. Culture, patrimoine et tourisme, ça va ensemble. C'est ça. La première fois. Ouais. On l'a maintes fois dit dans nos interventions que c'était primordial que ces deux secteurs se rencontrent. Ouais. Il y a d'autres secteurs un peu moins forts, la relation est un peu moins forte, c'est de la formation professionnelle ou alors l'éducation nationale aussi. Mais ces deux secteurs travaillent ensemble, enfin devraient travailler ensemble, mais ce n'était pas le cas du tout avant. Ouais. Imaginez un peu l'office que je dirige, l'Office national de gestion et exploitation des biens culturels, ne travaille pas avec l'Office national du tourisme, avec l'ONAT, l'ONT, tout ça, et c'est pas normal. Ouais. C'était pas du tout normal, donc là, les deux secteurs, les deux ministres ont décidé de faire justement cette rencontre. Ils ont signé d'abord une convention cadre entre les deux ministères pour qu'on puisse travailler ensemble. Et de cette convention cadre, des comités à l'échelle des deux ministères se sont rencontrés pour organiser justement cette journée d'études. Et ils voudraient aller beaucoup plus bas. C'est-à-dire qu'ils voudraient, au niveau local, faire la même chose. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se rencontrer en haut, mais également au niveau des wilayas, au niveau des daïras, au niveau des communes, faire des petits comités mixtes, justement, entre agences de voyage, gestionnaires de sites archéologiques, etc. C'est ça un peu le but. Oui. Donc il y a cette convention cadre, il y a aussi l'application du programme du gouvernement, hein, qui tente à chercher de nouvelles ressources, parce que le pétrole commence à, comme on a déjà parlé, et il faut chercher des ressources. Quand tu sais que le PIB, en France, le côté tourisme, c'est du 7,5 du PIB français, c'est très important. C'est ça. Nous, on est très très loin derrière, très 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 loin derrière. Là, il faut vraiment s'y mettre. Bien sûr, tout ça en respect des textes réglementaires concernant les biens culturels. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc d'encourager cette relation tourisme. Culture, ça veut dire que permettre aux agences de voyage d'être connectées avec nos offices, nos antennes, à travers, il n'y a pas que l'office de gestion des biens culturels, mais il y a les parcs, il y a le parc du Tassili, de la Hagar, les trois parcs, il y a aussi l'Agence nationale des secteurs sauvegardés, et donc travailler étroitement, même à un niveau très très bas, justement, avec pour qu'il y ait des échanges. Alors, promotion des activités touristiques, promotion aussi des métiers traditionnels, c'est-à-dire que nous avons des métiers, nous avons besoin dans deux volets. Le volet restauration des sites et monuments historiques, nous avons besoin de la main-d'œuvre spécialisée, main-d'œuvre sur les actions, plutôt les interventions du type artisanal, et nous avons aussi besoin d'objets, tout ce qui est patrimoine immatériel aussi, la musique et tout ça. Et donc nous voudrions encourager que des privés ou des associations ou des petits artisans s'installent à côté de nos sites ou dans nos sites. D'accord. À côté de nos sites ou dans nos sites ou dans nos sites, c'est-à-dire nos sites archéologiques, type Gat, type Aza, Djemila. Oui. Là, on est sur 32 wilayas. Oui. Et donc là, on n'a pas ce côté artisanat, c'est-à-dire que lié à nos sites. Moi, je vois, par exemple, Timgad, je viens de revenir, avant-hier, j'étais à Timgad. Il y a des artisans qui sont dehors, en dehors du site, qui vendent des produits
des copies de d'art, de Caracalla, de ceci, de cela. Des symboles de ce que l'on retrouve à l'intérieur du symbole. Ça peut se faire, donc on peut gérer tout ça. Oui. On peut les annexer à nos sites, bien sûr avec des règles, etc. etc. Bien sûr, pas de produits chinois ou de produits qui n'ont rien à voir avec... non, mais c'est le cas, attention. Hein, c'est le cas. Ah, bien sûr. Et donc, encourager uniquement cette activité artisanale qui est à mettre en valeur. Alors, le ministère du Tourisme, comme il chapeaute aussi l'artisanat, donc c'est étroitement lié. Voilà. Mettre en place des mécanismes pour l'identification des parcours culturels. Imaginez un peu, quand une agence touristique ou n'importe quel organisme du tourisme organise des visites, ramène des étrangers, arrive, débarque sur des sites, classé mondial ou pas, et ben la veille on vous appelle, on vous dit voilà, on a besoin de rentrer, on a besoin d'un guide, on a besoin. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ça doit se planifier à l'avance, bien à l'avance, savoir combien de nombres, même pour nous, se préparer, avoir les statistiques et préparer le voyage de ce touriste dès son départ, peut-être même avant, et préparer l'accueil, préparer le guidage, etc. Il y a aussi cet aspect formation. Nous avons peu de guides. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué dans nos sites, il n'y a pas beaucoup de guides. Il y a certains guides privés qui n'ont pas les bases, qui ne sont pas reconnus, etc. À travailler aussi dans ce sens pour former des guides conférenciers qui ne disent pas n'importe quoi. Ça, c'est aussi très important, parce qu'il y en a beaucoup qui racontent. Ah, vous en avez croisé ? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. À la Casbah, des fois, vous vous arrêtez comme ça, vous écoutez un peu. C'est vrai que j'allais vous dire, est-ce qu'il y a des guides officiels ? Non. Parce que moi, je vois des pages sur Facebook. Il y a des gens. Il y en a beaucoup qui proposent des visites guidées. Alors, qui est le guide, on ne sait pas. Ben, ils sont pas, ils sont pas officiels. Vous voulez les faire référencer, c'est ça ? Vous voulez les fédérer autour d'une... Mise à niveau, référencer, les mettre autour de quelque chose d'organisé, de les reconnaître, pour qu'il n'y ait pas des gens qui n'ont rien à voir. Il faut un certain niveau, il faut avoir développé les langues aussi, parce qu'il y en a plusieurs, on a plusieurs types de nationalités, donc... anglais, l'arabe, le français, etc., etc. Voilà, ça c'est très important. L'identification des prestations à garantir, pour garantir les conditions nécessaires à offrir aux visiteurs. C'est-à-dire le visiteur, quand il arrive dans nos sites, il faut qu'il ait le minimum. Hein, les boutiques, je ne sais pas moi, une cafétéria, des sanitaires, ce qu'il faut, quoi. Ce qu'il faut, comme ce qu'on voit ailleurs. Voilà, donc c'est pour développer tout ça. C'est pour développer tout ça. Seul, on ne peut pas. Parce que ça, c'est... Le budget qu'on a, qui est mis à notre disposition sur 295 monuments historiques et plus de 90 sites archéologiques qui varient de 40 hectares jusqu'à 120 hectares, seul, on ne peut pas. Donc, avec le ministère du Tourisme, avec les collectivités locales, parce que là, les maires et les communes ne se sentent pas concernés par ces grands sites, eh bien, au contraire, il faut absolument qu'ils participent. Et bien sûr, en retour, ils demanderaient peut-être une partie du gain ou je ne sais pas. Quelque chose qui puisse faire vivre aussi ces grandes... Je vous prends Qalat ibn Hamad. Qalat ibn Hamad, elle est à Msila. Il y a un petit village qui s'appelle Ma'adid, qui est en bas, qui ne bénéficie pas du tout de ce grand site classé patrimoine mondial. Ouais. Il n'y a pas cette liaison. Au contraire, il y a un conflit. Il y a un conflit territorial, c'est-à-dire que les gens qui habitent là, ils voudraient construire des constructions illicites et rentrer dans le site. Il y a une pression terrible. Alors, si on leur apprend, si on leur dit que c'est votre site, il faut le protéger, et c'est avec ça que vous allez ramener du tourisme, etc. etc. Voilà, entre autres, hein, donc assurer la sécurité, les services, l'hygiène, le guidage touristique, enfin tout ça, voilà. C'est de ça qu'il va s'agir. Mais qui va s'en occuper ? Parce que c'est bien, vous réunissez deux ministères autour d'une journée, une seule journée. Oui, une seule journée. Bon, par la suite, vous l'avez dit, pour ce qui est bien, c'est... quelque chose. Voilà, vous l'avez dit, parce que par la suite, enfin, il y a eu appel à ce que ce soit organisé dans toutes les wilayas du pays, c'est que l'on rapproche aussi les institutions locales. Là-bas, exactement. Mais qui va s'en occuper réellement ? Va-t-on créer une entité qui va gérer tout cela et qui va être le lien entre les deux ministères, ou est-ce que... Je crois qu'il va y avoir un comité mixte, je pense, hein, permanent, qui va avoir un bilan annuel, qui va devoir mettre en place un bilan annuel des relations qui peuvent avoir lieu entre les deux ministères.
Et puis après, rassembler peut-être des gestionnaires de wilaya ou locaux. Ouais. Carrément, peut-être, il y aura d'autres journées où on rassemblerait par région ou par tous ces acteurs. Ouais. Sans oublier le mouvement associatif. C'est ça. Et c'est très important parce qu'il y a des associations qui font du bon boulot et ils sont découragés, ils ne sont pas comment dire, boostés, ils ne sont pas ni par les mairies, ni par les organismes dont on parle maintenant. Moi, je pense qu'à l'échelle en haut, c'est mettre en place un comité mixte, un planning annuel, des objectifs, et puis après descendre au niveau des wilayas, descendre au niveau local aussi, identifier ces gens, parce qu'il faut les identifier d'abord, il faut les recenser. Ouais. Qui fait quoi? Qui est où? Qui est oublié? Qui est ramassé tout ce beau monde? Et puis mettre de l'ordre un peu, parce qu'il y a un peu ils mettent de l'ordre, et puis voilà, il y aura une réglementation, il y aura... qui a droit de faire quoi et comment et ceci et cela. Y aura-t-il une opération pilote avec laquelle on va commencer? Moi, ou est-ce qu'on va l'annoncer demain? Je pense que oui. Peut-être, je ne sais pas, demain, la journée, il y a trois ateliers, hein, tu l'as bien dit au départ. Il y a l'atelier qui parle, que je préside moi-même, avec un collègue du tourisme. Voilà, la présidence, elle est mixte. C'est ça. Chaque atelier, c'est un bon début. Et donc, on parlera de gestion des biens culturels protégés des sites archéologiques au profit du secteur du tourisme. Le deuxième, c'est la formation. Formation dans tous les domaines, guidage, artisanat, enfin tout. Le troisième, c'est la communication. Comment communiquer, annoncer, comment avertir, etc., etc. Ça, c'est très important. Les trois ateliers se feront en même temps. Il y aura une plénière d'abord, puis après... se feront en même temps entre 11h et 16h à peu près. Et là, on sortirait avec les premières recommandations. Peut-être que là, il y aurait ce fameux comité mixte. On travaillerait ensemble. Avec un premier projet pilote. Voilà. Et après descendre. Ça va être l'unification un peu. L'Allemagne de l'Ouest, c'est l'Allemagne de l'Est, en fin de compte. C'est ce que vous allez faire. Non, c'est très sérieux. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. C'est très important. Très important. Maintenant, ce qui est en relation avec le ministère du tourisme, c'est-à-dire les capacités hôtelières, c'est-à-dire tout le reste, bon, ça se discutera aussi. Il y a un autre aspect aussi, c'est les facilitations par le ministère des Affaires étrangères, l'obtention des visas pour les touristes, etc. C'est tout un circuit. Oui. C'est toute une chaîne. Ce qui avait été annoncé il y a quelques mois, c'est qu'il y a eu des facilitations de ce côté-là et qu'il y a on a rendu les procédures plus speed, plus rapides pour l'obtention des visas pour les touristes. On a octroyé même des quotas à certaines grandes agences pour pouvoir faire le tout. Après, effectivement, c'est à l'accueil ici que tout doit se faire. Accueil, visite, capacité d'hébergement, mais aussi les circuits à développer. Et Dieu sait combien d'argent on peut faire là-dedans. Ouais. Vraiment. Va-t-on ouvrir les musées le vendredi? Il y a des sites, chez moi, les sites sont ouverts. Vous m'excuserez, monsieur Zegar, mais il est dramatique de savoir et d'apprendre que les grands musées, par exemple, de la capitale, pour ne pas aller très loin, sont tous fermés le vendredi. À part quelques-uns, à l'exception de quelques-uns. C'est pas normal. Nos sites archéologiques sont ouverts. Certains musées de sites sont ouverts aussi, ça dépend à la fréquentation et tout ça. C'est vrai que des petits musées de sites un peu éloignés sont fermés. Et il faut que ça change, d'accord? Partout dans le monde, il y a une journée de fermeture de musées ou de sites archéologiques. Ça ne peut pas être le week-end. C'est ça. Impossible. C'est ça, on a l'impression. C'est un début de semaine. Oui, ça peut être un début de semaine où tout le monde commence à travailler, aller à l'école. Là, on peut fermer pour l'entretien, pour régler certaines choses. Mais fermer le week-end, c'est vraiment absurde. Absurde. Bien sûr, on va aller vers l'ouverture généralisée de l'ensemble de ces structures. Enfin, musée et autres. Musée et autres, l'ensemble de ces structures. Ouais. Bonne chance pour demain. C'est le mec, merci. L'atelier, le vôtre. C'est que vous allez co-présider, c'est... Ah ben c'est celui de la gestion des biens culturels au profit du tourisme. Voilà. Ah ben très bien. On va ouvrir les portes à ces professionnels du tourisme. Parce que eux-mêmes, j'ai eu à faire une conférence, que j'étais invité par le secteur du tourisme, où j'ai fait une conférence et j'ai fait connaître nos sites. Et je vous assure que la salle était silence sonore. C'est-à-dire tout ce que je projetais à l'écran n'était pas connu. C'est ça. À part les grands sites, type bazar. Ouais. Mais il y a des sites qui sont méconnus. Et là, ils étaient là et bien sûr, ils sont intéressés. Ouais. Que ce soit les agences privées,
ou que ce soit les organismes étatiques du tourisme. Et là, ça veut Il y aura des facilitations vraiment... pour le secteur privé aussi. Oui, bien sûr, ouais. Mais bien sûr. Dernière interview du ministre de la Culture, c'était il y a quelques jours sur une chaîne de télévision dans une émission de divertissement et de débat. D'ailleurs, c'était une belle image que l'on a eue grâce à un ministre qui se prêtait au jeu. Et il annonçait que le secteur de la culture ne pouvait plus gérer tous les projets culturels. Bien au contraire, que c'était au privé de construire des salles de cinéma, des salles Avec des conditions, bien sûr, c'est pas possible. Bon, avec des conditions, effectivement. L'État ne peut pas tout faire, c'est pas possible. Mais chose qui n'était pas envisageable il y a quelques années. Parce qu'il y avait de l'argent. Oui. J'attendrai que vous partiez pour que je donne un exemple sur l'argent. Le fameux musée qui touchait 6 millions de dinars pour une opération d'un mois et qui, du jour au lendemain, on a dit à ceux qui étaient à la tête du projet, on n'a pas besoin de vous, de toute façon, c'est pas à vous de gérer ça. Merci, M. Zegar. C'était un plaisir. Je vous souhaite beaucoup de succès. Peut-être je vous souhaite une autre un excellent séminaire. Bon, là, vous êtes obligé de revenir le week-end prochain pour donner les recommandations. Parce que sinon, Inch'Allah. On a senti votre cuisine, mais on n'a pas goûté. Alors, on le fera pour le tourisme et culture. On le fera aussi pour la Casbah, pour rappeler un peu. Oui. Et n'oubliez pas, 18 avril, début du mois du patrimoine. Exact. Là aussi, il y a plein d'activités. Il y a plein de choses qui sont programmées. On vous le dit, on en fera. Inch'Allah. Abdou Habzgar, directeur général de l'Office national de gestion et exploitation des biens culturels. Merci à vous. Merci encore. Allez, quant à nous, on va parler de l'autisme dans quelques instants. C'est la journée mondiale demain. Ce n'est pas juste à l'occasion de la journée qu'on en parle, mais ça tombe très bien. Ils sont de retour. Il s'agit de Badera Boufama, qui est à la tête d'une association, Essid Ahmed Aissi, qui est un membre actif. Ils seront là pour parler donc de cette journée de sensibilisation. Mais ce sera juste après cette petite escapade, cette fois-ci à Timimoun. Allons-y. Timimoun, l'oasis rouge, marquée depuis toujours par la couleur du sable et de l'argile. C'est ici que les habitants aiment se retrouver et c'est à partir de là que le Centre algérien du patrimoine culturel s'est fixé un objectif, celui de sauvegarder le patrimoine architectural saharien. Timimoun fait bzaf qosour et kasabat mbniyin bitrab. Timimoun est connu pour ses qsour et ses kasbas. Ses habitations sont toutes construites en argile et en sable. Parfois, nous tamissons l'argile et parfois aussi, nous rajoutons à la pâte le foin. Et après avoir rajouté de l'eau, nous obtenons une pâte comme celle-ci. Nous mélangeons encore une fois cette pâte qui va servir de revêtement. Ici, nous encourageons la construction avec des matières premières et locales, comme l'argile. À Timimoun, nous avons un grand travail à faire pour sensibiliser les habitants à préserver leur patrimoine architectural. D'autant plus que tous les matériaux locaux sont naturels. Ceci encouragera sans aucun doute le développement local et surtout le tourisme dans cette région. Car nous le savons bien, les touristes viennent ici en quête du naturel. Avec plus de 290 dirsals à Adrar, le patrimoine architectural a plus que jamais besoin d'être préservé. Et ses anciennes méthodes de construction pourraient servir à la sauvegarde de l'héritage culturel sud-saharien. Timimoun, vous connaissez ou pas ? Jamais été ? Non, jamais. Jamais ? Bientôt, peut-être. Vous avez déjà été à Timimoun ? Non, pas du tout. Vous êtes déjà allé dans une région du sud ? J'étais à Béchar. J'étais à Béchar et Ghardaïa. C'est pas mal. Un peu l'oued ? Un peu l'oued. Pourquoi ça veut dire quoi, un peu l'oued ? C'est que vous y étiez, mais de passage ? Non, j'ai été à l'oued, mais je ne sais pas si c'est considéré vraiment comme le sud. Si, c'est les portes du désert. Bah, si. Bah, voilà. C'est... Donc j'ai été à l'oued et même deux fois. Et vous, madame ? Également l'Ouad. Ouais, c'est très bien. C'est très très bien, cette belle ville en plus, qui sont citées ce matin. Mais je vous souhaite d'aller à Timimoun. Bah, j'espère bien. Ouais. Surtout en cette période, vous savez, vous aurez droit à quoi ? À des agarbes volants. C'est vrai en plus. Ouais, hein. Je m'en passerai là. Alors du coup, ce matin, ils sont avec nous, on va parler de toute autre chose, non pas de tourisme, mais de cette journée mondiale.
Cette journée mondiale qui sera célébrée donc demain avec nous ce matin, Madame Badia Boufama, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle l'association WAFA. C'est l'association des parents d'enfants en difficulté mentale. Vous êtes retraitée du secteur des statistiques. Vous êtes une retraitée de l'Office national des statistiques. Alors l'association est installée à Constantine, c'est cela ? Exactement, oui. Bienvenue chez vous. Je vous remercie pour l'invitation, merci. Sidi Ahmed Aïssi, vous faites votre tour. Vous êtes déjà passé ici ? Non. C'est pas vrai. Je vous ai pas mal harcelé pour des événements, mais... Mais jamais passé non. ici. Non. Ah oui, on s'était vu ailleurs. Exactement. Exact. Où j'avais eu droit à ça. Voilà. Les anges de la Miséricorde. Oui. C'est ça. C'est le fameux t-shirt à l'occasion de la journée. La journée mondiale. Exactement. Vous en parlez, ça se passe demain. Ça se passe demain. Donc demain, c'est le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Oui. Et l'association Les Anges de la Miséricorde a initié un événement de sensibilisation. Oui. Où on lance l'invitation à tout le monde de porter du bleu en solidarité et en soutien aux personnes atteintes d'autisme et ainsi qu'à leur famille. Demain, c'est le bleu. C'est voilà. Comme il y a une année, quoi. Voilà. C'est bien. Non, sauf que l'année dernière, c'était restreint à Alger. Et maintenant ? Et là, on s'est un peu étendu et nous sommes partis sur la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. D'accord. Voilà, du coup, nous travaillons... Donc, c'est une journée maghreb, c'est une journée de célébration. L'événement international s'appelle Le Grand Maghreb. Le Grand Maghreb en bleu. Le Grand Maghreb en bleu. Ouais. Enfin, c'est bien, ça. Et vous, vous allez célébrer comment, cette journée, demain ? Nous, on va la célébrer au niveau de Constantine, au niveau d'un centre que nous gérons pour enfants autistes. Donc, on a invité les parents, les enfants... Et peut-être même toute la population de Constantine a porté du bleu en soutien aux familles des personnes autistes. Bah, parlez-nous un peu de votre association. C'est l'association donc, des parents d'enfants en difficulté mentale. Vous-même, vous êtes la maman d'un jeune garçon autiste. Ah, c'est quoi ? C'est vous qui avez créé l'association ? Exactement, oui. Ouais, suite à ? Suite justement aux problèmes qu'on avait rencontrés, c'était vers les années 2000. Ouais. Donc à l'époque, l'autisme n'était pas du tout connu. Et face à un vide quasi total en matière de prise en charge des personnes autistes en Algérie, on a été contraints de créer l'association pour chercher une prise en charge pour nos enfants. D'abord, ils n'étaient même pas diagnostiqués. Et c'est pour ça qu'on avait appelé notre association des parents d'enfants en difficulté mentale. Parce qu'au départ, on ne savait pas de quoi souffraient nos enfants. Et en créant l'association, on voulait trouver une prise en charge dans des structures étatiques. Mais malheureusement, on avait vu que le temps passait et qu'on n'arrivait pas à trouver des places pour nos enfants. D'où la création de la première structure pour la prise en charge des enfants autistes en 2005. C'était à Constantine. Et nous avons fini par créer un centre pour enfants autistes en 2008 grâce à un financement de l'Union européenne. Oui. Et nous continuons à travailler dans ce secteur de la prise en charge jusqu'à ce jour. C'est très bien. Nous prenons plus de 100 enfants autistes. Mais ça se passe comment pour votre enfant à vous ? Bon, de quoi il fait son quotidien ? Il est au centre et heureusement qu'on a pu créer cette structure d'accueil. Donc la journée, il est au centre. Et après, c'est bien sûr, c'est toujours la famille. Oui. Qu'est-ce qui vous a sensibilisé, vous, à ces questions-là ? Parce que vous êtes un bénévole, mais pas affilié forcément à une association. Non. Vous êtes un peu partout. Exactement. Vous travaillez d'ailleurs pour un programme d'appui à la société civile. En effet. Ouais. Le programme Jussoul, donc, mais à titre personnel, je suis militant associatif. Ouais. En fait, ce qui m'a le plus sensibilisé, c'est le manque de droits. Ces personnes qui ne jouissent pas de leurs droits pleins, où l'Algérie a ratifié certaines conventions internationales, notamment la Convention internationale des droits des personnes handicapées, où il est stipulé que une personne a droit à l'éducation, à l'emploi, à la santé, à la culture, aux loisirs, mais qu'on retrouve malheureusement beaucoup de personnes cloîtrées chez elles. Entre guillemets, les parents même peuvent avoir honte de leur enfant qui n'est pas comme les autres. Et c'est vraiment alarmant et du coup je pense que nous devrions tous être sensibles à ça, tous être solidaires pour faire que leur vie soit la même que celle des autres personnes, ouais. Puisqu'elles sont aussi semblables, elles sont normales. Elles sont normales. On adore utiliser le mot « normaux ».
Donc voilà, oui. Alors on parle beaucoup des jeunes enfants trisomiques, des jeunes enfants autistes, des jeunes enfants déficients ou souffrant d'eux. Mais que deviennent les adultes? Justement parce que là, toutes les, même que ce soit les politiques, que ce soit les associations, tout le monde s'intéresse plus ou moins maintenant à l'enfant autiste. C'est Mais par contre, les adultes, c'est les laisser pour compte. C'est ça. Et d'où l'idée justement de notre association de créer un deuxième centre pour justement les adultes en difficulté mentale, pas uniquement les autistes, pour les prendre en charge. L'année dernière, c'était les enfants trisomiques qui avaient été mis à l'honneur, mais c'est très bien, il faudrait que ce soit toutes ces catégories et tout au long de l'année, non pas une année par année. Mmh. Mais à un moment, il y a eu une question à laquelle personne n'a pu répondre, c'était parce que tous les bénévoles, toutes les personnes engagées étaient parents d'enfants trisomiques. Exactement. Et à un moment, quand on a posé la question, on a dit oui, droit à l'accès, c'est très bien, mais par la suite... Ils n'ont pas où aller. Non, mais ils n'avaient pas de réponse. C'est-à-dire que ça s'arrêtait à mon enfant et puis par la suite, on verra. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vision, alors qu'on se pose la question aussi, parce que ces enfants deviendront adultes, qu'ils soient autistes, trisomiques ou autres. Et le problème, c'est que même les enfants qui ont droit à une prise en charge au niveau des centres psychopédagogiques étatiques, à l'âge de 18 ans, ils sont carrément exclus. Oui. Et là, ils se retrouvent... Pour les filles, c'est la maison. Pour les jeunes, c'est la rue. Avec tous les risques et tout ce qui s'en suit. Voilà. Il y a des perspectives aujourd'hui? Plus ou vous moins. Vous voyez comment votre enfant dans 10 ans, par exemple? J'imagine que ça doit être un bonheur, votre fils. Que vous devez en être fière, que vous êtes heureuse de l'avoir. Ça, c'est certain, parce que au début, c'est pas facile à accepter, mais avec le temps, c'est bon, C'est une partie de vous, on n'arrive plus à vivre sans cela, notre vie, c'est-à-dire on a appris. Mais vous le voyez comment dans 10 ans? Bon, pour mon fils, c'est bon, parce que... C'est très bien, mais à travers votre exemple, ce sera un bel exemple aussi pour l'ensemble des personnes qui sont dans votre situation et qui seront peut-être sensibilisées. Mais vous voyez, quelle est votre vision pour votre fils? Vous voudriez l'intégrer dans un métier? Vous voudriez l'intégrer dans le secteur de la formation professionnelle? Dans un métier? Je parle pour le cas de mon fils. Ces jeunes-là, ces enfants-là qui n'étaient pas diagnostiqués à temps, qui n'étaient pas pris en charge à temps, là, c'est des enfants qui seront... à vie à la charge de leurs parents, ils ne sont pas autonomes, donc on doit les prendre en charge, c'est les parents qui doivent faire ça. Mais le problème, c'est qu'ils ont grandi, et nous avons grandi, et je n'arrive même pas à imaginer ce futur. Oui. Je préfère vivre le jour, parce que je sais que ça sera quelque chose de très, très difficile à imaginer, que ce soit pour moi, pour mes autres enfants. Oui. Parce que là, c'est un enfant qui va vivre à vie, dépendant de ses parents. Et lui, il a déjà 22 ans, moi j'en ai 60. Yeah. Et là, ça va être le rôle de ses frères et sœurs. Sinon, il va se retrouver dans un asile. Il n'existe pas aujourd'hui des prises en charge qui permettent d'atténuer un peu les effets, de lui donner plus d'autonomie? Non, on fait ce qu'on peut déjà. Il y a une nette amélioration depuis qu'il est au centre. Mais sauf que le fait d'être pris en charge à un âge très tardif, donc les résultats ne sont pas... aussi, c'est-à-dire concret, que si un enfant est pris en charge à un âge précoce. Et d'où notre travail maintenant de sensibilisation pour justement qu'il y ait un dépistage précoce, un diagnostic précoce et une prise en charge précoce. Vous, dans votre cas, c'était à quel âge? Mon fils, il a été diagnostiqué autiste à 7 ans. Mais à là, 7 ils ans, nous pour disent... vous, c'est déjà trop tard. C'est certain. Et même lorsqu'ils nous ont dit qu'il avait l'autisme, il n'y avait personne pour nous expliquer. D'abord, il n'y avait pas l'Internet pour nous expliquer qu'est-ce que c'était l'autisme, où est-ce qu'on devait, c'est-à-dire, amener notre enfant. Et là, on était, car on n'avait même pas un interlocuteur pour, c'est-à-dire, discuter, pour parler, pour savoir de quoi il s'agissait. Et là, il a développé d'autres handicaps tels que la déficience mentale, qui n'est pas tout le temps d'ailleurs assimilé à l'autisme, parce que généralement on fait un amalgame. On en parle en toute transparence pour donner l'exemple à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Et peut-être pour réveiller les consciences et pour réveiller certaines institutions à accompagner, c'est les parents, les associations, la société civile qui se bat auprès des personnes
qui ont un manque, mais qui sont plus normales du monde, même si, effectivement, et vous, vous le savez, en tout cas, mieux que beaucoup qui vous regardent, et mieux que, beaucoup mieux que moi, que ça doit être difficile au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle on devait parler sans tabou. Alors, du coup, demain, on se met en bleu. Vous vous habillez en bleu, demain ? Inch'Allah, avec votre fils s'appelle comment ? Lokman. Lokman, il s'habillera en bleu aussi ? Inch'Allah, oui. Ouais. Bah, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée pour demain. Bah, alors, ça sera célébré où, par exemple ? Alger, ce sera... Est-ce qu'il y a un fief, un lieu en non, particulier ? Non, 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 justement. Faut c'est juste sans contrainte. C'est sans contrainte. Se mettre en bleu, à l'aise, parler de l'autisme. Oui. Comme ça, s'il y a une famille qui a une personne autiste atteinte d'autisme, quoi. C'est ça. Oui. Pour qu'elle se sente moins seule. L'opération d'année dernière avait super bien marché, en plus. Voilà. J'adorais les bodies. Hein. Non, peut-être que t'as un peu pris le ah, le gars, il a pris le pull de l'année dernière. Il a pris... Bon, pas le pull de l'année dernière, parce que je l'ai encore. Il a pris la taille de l'année dernière, si tu lui donnais. Ouais, si tout va bien. L'espérance de pas grossir d'un gars comme lui et de... Je sais pas. Alors du coup... Bon, c'est pas grave. Ouais. En tout cas, je souhaite à tout le monde un Happy Blue Day, parce que tout le monde est concerné. Ouais. Je voudrais remercier les artistes qui nous ont soutenus, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de journalistes qui nous soutiennent, qui lancent l'appel pour que les gens soient plus sensibles à cette cause. J'espère que tout le monde se mettra au bleu. Et le hashtag, c'est ? Hashtag parlons autisme, le hashtag Happy Blue Day et le hashtag le grand Maghreb en bleu. Voilà, alors malheureusement, voilà. Ouais. Soyez bleu, soyez... J'aurais pu faire videur dans ma vie, je te jure. Plein d'espoir, oui. Bon, allez, ça te va bien, en tout cas. Bon, le videur, oui, je sais. Non, non, le bleu. Non, je prépare ma future reconversion. Après la télé, c'est sûr que j'irai vers quelque chose d'un peu plus amusant. Alors, madame, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses. Sincèrement, beaucoup de courage, surtout. Je vous souhaite longue vie à vous, à votre fils, à l'ensemble des membres de votre famille. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir ce matin et bravo pour votre courage encore une fois. L'association Wafa sur Internet, ça existe ? Oui, Constantinautisme. Constantinautisme, voilà. Bon, les hashtags, vous les avez donnés. Oui. Happy Blue Day, parlons autisme, oui, oui. Le grand Maghreb en bleu. Exactement, allez sur Facebook, sur Instagram, voilà. Il y a les pages. Voilà. On remercie aussi les anges de la miséricorde pour leur initiative. C'est ça, super, hein. Super. Mm. Si vous pouviez le mettre en XL l'année prochaine, ce serait pas mal. Ou alors, peut-être s'inscrire dans une salle de sport. On ira ensemble. Hein. Alors, vous savez comment fonctionne la télévision ? Non. Lui, tu le blacklistes, il ne vient plus. Son nom, sa femme, ses futurs enfants, ses sœurs, son père, tout le monde. Quoi. Oui, mais ce sera moins amusant après. Non, mais ouais. Avec plaisir. Merci. Merci, camarade. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec l'équipe du dimanche. Mireille Moussaïd, Siam Kenouch, Hakim Keshloud et Jilani Mahashi. Autant vous dire qu'ils sont en forme. 20 minutes avec eux de pur bonheur juste après ça.
La chanson en question, c'est Haït Zerouk. Lehna, bonjour. 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 Ça va? Oui. Ok. Montrez un peu. Montrez oui. Un peu. Un peu. Montrez un peu. Un peu. Il y aura un jeu d'école. Oh, okay. Voilà, tranquille. Oh, la beau match. Vous êtes là? Je gère le peu d'espace. Oui. Voilà, je suis le Stéphane Plaza des plateaux télé. Je trouve que votre carré, mètre carré, est très bien. Alors, merci. Du coup, camarades, bienvenue à vous. Bonjour Siha. Bonjour. Bonjour Myriam. Bonjour Djelani. Bonjour. Bonjour Hakim. Bonjour Mahalas. Comment était votre semaine? Courte. Pour vous, je ne vous parle pas de toute façon. Mais pour les gens normaux. Tranquille. Tranquille. Voilà. Dur. Elle était dure. Ouais. Vous étiez où cette semaine? J'étais en mission. Mais où? À Guelma. À Guelma. C'était bien? Ah, c'était bien, oui. Oui. Ouais. Ah, c'est vous qui avez posté la fameuse photo avec vos caméramans qui étaient les peaux pleines de boue. Et... Exactement. C'est très bien ça. Ah, c'était super bien. C'est un vrai job quoi. J'ai enfin montré des gens qui bossaient. Oui, c'était une découverte. Ouais. Voilà. Genre le journaliste un peu costumé, je peux te poser une question, mais sincèrement, c'est notre métier, c'est pas d'être celui qui est interviewé, mais celui qui interviewe. Donc du coup, le costume un peu trop truc, ça le fait pas. Enfin, je sais pas, ça rentre pas trop dans ma tête. Bonjour. Et vous, c'était comment Paris, ça va? Très bien. Tranquille. Il commence à faire beau. Oui, il commence à faire beau. Super. Hein, vous avez fait un pique-nique blanc sur le non, champ de Mars? Encore. Non, pas encore. Non, ouais. Bientôt. Abdoulah, mon frère. Merci. Bon, on va aller à Marcamché dans l'attendant. Oui, moi aussi, je vais aller cet après-midi. On va faire un pique-nique sur du béton. Ouais. Madame, on commence par vous. Oui. Les iris. Oui. Je vous ai apporté le printemps. Oui. On commençait un petit peu à désespérer avec le mauvais temps. La semaine, les deux semaines presque pluvieuses de ces derniers jours, ben voilà, donc le printemps est bien là. Oui. Les iris sont là pour nous le prouver. Ouais, ben même oui. Les hirondelles aussi, elles sont arrivées. Donc pourquoi je parle des iris? Ben, tout simplement parce qu'en ce moment, elles sont fleuries, comme vous pouvez le voir. Et aussi, c'est le moment de faire la division. Donc si dans certains pays, ça se fait au mois de juillet, nous, étant donné que nous avons un climat tempéré. Voilà, donc on va le faire maintenant. Oui, exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est que... On parle de quoi aujourd'hui? On parle de rhizome, Mahrez. Ah oui, voilà. Je suis un rhizome, c'est vrai. Allez, on y va. Alors donc, là je vous montre des iris en pot. Généralement, donc, comme vous pouvez le voir, étant donné qu'elles ont poussé dans un pot assez... Dans une superficie très réduite, vous allez voir que la branche de l'iris est courte. Généralement, ça peut atteindre jusqu'à 1 mètre quand elle est plantée en pleine terre. Oui, c'est très ça. Haut, c'est vraiment haut. Mais en pot, ça ne monte pas. Et en pot, ça ne monte pas très haut. Mais même, on peut l'avoir. Donc, c'est vraiment un plus parce que quand on voit les iris dans les jardins, on se dit c'est beau et tout. Est-ce qu'on peut l'avoir? Oui, on peut l'avoir à la maison, on peut l'avoir dans un pot. Mais ce qu'il y a, il sera quand même en mode un peu bonsaï. Elle sera un peu courte, mais elle est là, elle fleurit comme vous pouvez le voir. Et je vais vous montrer, en fait, il existe énormément de variétés d'iris. Alors celle-ci, la violette, c'est l'iris d'Algérie. Donc quand vous voyez une iris violette, elle s'appelle... C'est une iris d'Algérie. Essaoussen. J'adore son nom en arabe, il est très très beau. Donc Essaoussen est une plante qui est vivace, qui fleurit, ça dépend de une à deux fois par an, donc au printemps, et même on peut l'avoir aussi en fin d'été. Et je voulais vous montrer aujourd'hui cette variété là. En fait, il y a deux variétés, celles qui font des rhizomes, comme vous pouvez le voir, j'espère qu'on arrive à voir ici. Donc ça fait comme une espèce de petite pomme de terre, un peu une topinambour. Donc ce qu'on aura à faire, c'est qu'on aura juste à enlever les petits rejets avec un peu de racines et un tout petit bout de rhizome. Et on le mettra en terre. Et même si vous n'avez pas la tige, vous avez juste le petit rhizome, vous le mettrez en terre. Et d'ici le mois de septembre, début de l'automne, il y aura les feuilles qui vont apparaître et vous pourrez avoir ça. Donc... quel genre de sol on utilise, Mahrez? Allez, question. Tout type de terre. Ouais. Franchement, on l'appelle aussi l'orchidée du pauvre. Donc, l'iris a cette appellation parce que quand même, c'est une très, très belle fleur qui est odorante aussi. On en fait des parfums. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 à 3 petits rejets comme ça dans un pot. De préférence, si vous voulez avoir... si on veut que la tige soit haute...
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pot beaucoup plus profond. Donc, on va essayer d'avoir à peu près 40 à 45 cm de profondeur. Enfin, la taille dépend de... Ouais. Voilà. Et là, vous aurez une tige haute et bon, une jolie fleur. Moi, là, ça me suffit. Comme ça, ça me fait... Elle coûte combien en pot plaisir. Actuellement? Oh, ça va entre 200 à 300 dinars. Faut-il arroser, oui ou non? Oui, il faut arroser. Il faut lui donner beaucoup. Une terre assez riche. Oui, pas beaucoup. Juste dès que vous voyez que le substrat commence à sécher, vous arrosez. Donc, ne pas la noyer et ne pas aussi la déshydrater parce que là, elle aime bien avoir quand même les racines dans l'eau. C'est ça. Voilà. C'est très bien, ça. Pour Saoussen. Vous avez un conte, j'imagine, qui est lié à Saoussen? Un conte, non. Enfin, oui, une histoire. Hein, une petite... expliquez ce que c'est que l'Iri, c'est Saoussen. Frama. Anti Yarouhi Zahra. D'accord. Parce que je ne vous ai pas encore lancé. Tu t'en souviens? Ouais. Ouais, non, il ne s'en souvient pas, lui. C'est en quelle année? Lancez-moi. Hein? Mangez-moi. Non, là, il ne faut pas la chanter. Non, d'accord. Dites-le, Aoulette, aimez-moi, mais bon. Aimez-moi. Talab, c'est un mouchtaq hub. Voilà. Ouais. Alors, du coup, on va parler sport, parce qu'il y a le Tour d'Algérie de cyclisme, et on a Wassila Batiche qui est avec nous, d'ailleurs. Elle suit le Tour d'Algérie de cyclisme. Oui. Elle est de quel côté aujourd'hui? Ils sont du côté de Bouira. Ils vont aller direction Béjaïr. Ah, c'est moins sexy que le sud. Hein. C'est beaucoup moins sexy que le sud. Wow. Bah oui, ouais. Mais bon, ça reste quand même assez beau. Puisque ouais, ça, non, on passe par les petites régions. On est dans d'autres nationales, décors. Donc voilà, un autre décor. C'est décors. Très beau, même s'il fait froid, même s'il pleut, de temps à autre. Mais ça reste quand même très très beau à voir. Belle région. Alors du coup, est-ce qu'on a Wassila avec nous en direct à partir de Bouira, étape Bouira Béjaïr, et puis dernière étape Béjaïr Tizi Ouzou, si je me trompe voilà, pas. Ce sera demain. Ce sera la dernière étape, la 6. Tout à fait. Étape. Allez, on l'a. Wassila Batiche, bonjour. Je vous livre Hakim Kishloud. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui. Voilà, Wassila Batiche est avec nous en direct donc, de Bouira, juste avant le coup d'envoi donc, de cette 6e étape, avant-dernière étape du Tour d'Algérie. 133 km aujourd'hui entre, bien sûr, Bouira et Béjaïa. C'est une étape peut-être agréable avec trois beaux cols à traverser aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si elle nous entend, Wassila. Alors, moi, votre Tour d'Algérie, je m'en fiche. Allô, est-ce qu'elle est avec nous? Oui, je suis là. Ah, voilà. Elle est là. Ah, elle bah, est c'est là. Très bien. Comment vont les enfants, Wassila? Tant qu'on y est, la communication. Là. Ah, l'unique. Une seule. Ouais, ça va. Ah, ça va. Ça va. Alors, le Tour d'Algérie, allô, on en parlait aujourd'hui. Bouira vers... Allô? Oui, allô. Hakim? Oui, on vous entend, Wassila. Allez-y. Hakim? Oui. Hakim? Alors, apparemment, pas de liaison pour l'instant. Ça passe pas trop. Eh ben, ce qu'on va faire, on va déjà voir l'étape d'hier. Hein, donc, une étape qui s'est courue sur 126 km 500 et encore une fois. Bonjour, c'est bonjour. Youssef Reguidi qui s'est emparé donc, de la première place. Voici la Batiche. Aujourd'hui, 6e étape, avant-dernière étape entre Bouira et Béjaïa avec trois grands cols à traverser et donc de belles régions à visiter aujourd'hui sur le tracé du Tour d'Algérie. Hakim? Voilà, elle ne nous entend pas. Je pense qu'on va arrêter la liaison. On va passer pour voir le sujet d'abord avec, bien sûr, Faïza Sienne Montand. Donc, tout de suite, on va aller voir l'étape d'hier. Le temps de régler le problème de connexion avec Wassila Batiche. On va revoir déjà l'étape d'hier, l'étape qui s'est courue sur 126 km, bien sûr, entre Médéa et Bouira, et remportée par le cycliste algérien Youssef Reguidi qui a traversé la distance en 2h31 minutes et 12 c'est secondes. C'est parti en c'est image. Le sujet, voilà, de Wassila Batiche. Allez-y. Malgré les mauvaises conditions météorologiques, pluie, vent, violent, avec un parcours très glissant, ceci n'a pas empêché le coureur algérien Youssef Reguidi, sociétaire de Sovac Forever, de gagner pour la deuxième fois consécutive la première place après un parcours de 126 km en 2h, 31 minutes et 18 secondes. La course s'annonçait très difficile. Dès l'entame de l'étape, les coureurs sont restés groupés pendant les 20 premiers kilomètres. À la descente de Borwagia, Youssef Reguidi réussit son premier échappé, encouragé par un magnifique public présent en force dans différentes localités traversées par le peloton. Youssef augmente sa cadence, tout en laissant derrière lui le détenteur du maillot jaune dans la localité de Imbissem.
À la mi-parcours, les conditions climatiques étaient plus clémentes. Les coureurs ont eu droit à un autre décor et à un nouveau paysage. Youssef El Guigui, toujours en tête, ne se fera pas rejoindre et franchit tout seul la ligne d'arrivée. Abdelrahman Mansouri préserve le maillot jaune et Julien Amadori le maillot à pois. Exigeant avec le vent. Et sinon, comment tu diras ? Oh, génial, après hein, des beaux paysages, on a eu un peu la pluie au début, mais on a eu le soleil à l'arrivée, donc c'est essentiel. Voilà donc belle étape et encore une fois une occasion pour les cyclistes algériens de se mettre en valeur sur ce tracé de 133 km entre eux. Je disais aujourd'hui Bouira Béjaïa. Est-ce qu'on a Wassila, oui ou non? Si on l'a pas, c'est pas grave. Ce soir, on l'a avec nous. Wassila Batif, bonjour. Bonjour, Mahrez, bonjour. Ah bah voilà, on y est. Je suis là avec la caravane. Donc alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la caravane a vécu jusqu'à aujourd'hui les quatre saisons. Alors, de Agar de Tamanrasset aux montagnes de Djurdjura, et plus précisément, Tikjda du sable à la neige, les coureurs ont été bien servis côté paysage, messieurs. Donc là, aujourd'hui, nous sommes déjà à la sixième et avant-dernière étape. Les cyclistes devront parcourir aujourd'hui 133 km, Bouira Béjaïa, comme l'a signalé tout à l'heure Hakim. Les coureurs algériens continuent à faire sensation dans cette 21e édition du Grand Tour d'Algérie. Abdelrahman Mansouri préserve le maillot jaune. Youssef El Guigui, vainqueur des deux dernières étapes. Donc, que du bonheur pour le cyclisme algérien. Aujourd'hui, donc, un très beau paysage sera réservé aussi à nos invités et aux coureurs étrangers, avec une très belle ambiance ici au centre-ville de Bouira. Voilà, avec une arrivée, hein, Mahrez, qui sera au théâtre, donc Bouguermouh, du côté de Béjaïa. Et on vous retrouvera dans les prochains points. Merci, Wassila. Excellent tour d'Algérie, excellent voilà. Tour. On rappelle Bouira Béjaïa et puis Béjaïa Tizi Ouzou pour dernière la étape. Quoi ? Ce sera demain. Oh ben rien. Ouais, bon. Allez, très rapidement. Allez, on enchaîne football, rapidement. Très football, rapidement, allez, ouais. Football, on va démarrer avec bien sûr ce match important disputé hier par les jeunes joueurs algériens de l'équipe nationale des U20 qui se sont imposés en match aller face à l'équipe tunisienne sur le score de 3-1. Belle entame pour les petits jeunes joueurs de la sélection nationale qui s'imposent avant la manche retour qui aura lieu le 7 avril prochain. Ils ont fini à combien ? Ils ont fini à 3-1 pour la sélection algérienne. Donc, 3 et le 1 était un cadeau du gardien à la Tunisie. Hein. Voilà, donc c'était. Ils nous ont rendu après le, ouais, le but, hein, le deuxième c'est but, qui a été. Le troisième but, par contre, a été donné par l'équipe tunisienne sur une passe au gardien de but qui est allé directement au fond des filets. Ça, c'est le premier but qui a été inscrit sur penalty, donc à la 12e minute de jeu. Par la suite, le second but, lui, a été inscrit d'une belle frappe par le jeune joueur Zerouki à la 40e minute de jeu. Et puis enfin, Hamissi contre son camp avait marqué le troisième but pour la sélection algérienne. Et c'est Ben Ramdan, hein, 41e minute, qui avait réduit la marque pour la sélection tunisienne. Donc je disais, belle entame pour les Algériens. On rappelle que l'Algérie joue cette double confrontation face à la Tunisie en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations, donc qui se jouera en 2019 au Niger. On a vu ce deuxième but, mais sous quatre angles différents. Voilà, et ça c'est le but encaissé par l'équipe nationale algérienne, donc sur une erreur du gardien de but qui a voulu dribbler. Allez, j'enchaîne rapidement avec les résultats de la Ligue 1. Les trois derniers matchs disputés hier pour le compte de la 24e journée. L'Olympique de Médéa a fait match nul face au leader, le CS Constantine, 0 partout. L'USM Al Harrach qui s'impose face au Parado Athletic Club de Buzyn 1. Et puis le carton de l'Entente de Sétif, 4-1 face au MC Oran au classement général. Le CS Constantine toujours en tête avec 46 points, suivi du MC Oran deuxième avec 41 points. Troisième, Mouloudia d'Alger, 40 points. Mouloudia d'Alger qui joue son match retard ce mardi face à la GS Kabylie au stade du 1er novembre à Tizi Ouzou. Au bas du classement, l'AGS Kabylie se retrouve 14e avec 23 points. L'US Biskra 15e avec 23 points également. L'USM Blida est bon dernier avec 18 points. C'est l'USM Al Harrach qui fait la bonne opération en s'éloignant un petit peu de la zone rouge des relégables. Vous avez de toutes vos actus, vous en choisissez une. J'en choisis une.
Eh ben, je vais donner la Ligue 2 très rapidement, puis on ne veut pas les léser. Alors pour la Ligue 2, on a joué également pour le compte de la 24e journée. Le MOB de Béjaïa qui s'est imposé 3-1 face au Chababria de Daïn Fekloun et qui fait la bonne opération en s'emparant de la tête du classement. El Ulmaïr et Lizen, match nul, un but partout. Amel Boussaada battu par le Wydad de Tlemcen 2-1. Le Cap de Borj Bouarerec qui bat le Raliad Mascara 2-0. Le Cap de Betna qui bat le RC Kouba 1-0. L'Azmo Doran et la GSM Béjaïa ont fait match nul, un but partout. Saïda qui bat l'ex-leader, l'ASN Lila, 2-0. Et puis enfin, Skikda et l'Aïsochlef, 0-0. Le classement, c'est Béjaïa qui est en tête, suivi de la GSM Béjaïa, 2e, 3e, Aïn Lila. Au bas du classement, c'est le Raliad Mascara qui est dernier. La Ligue 2 en valait la peine. Hein. Béjaïa 1 et 2, ça passe. Bon, il est content. Bah, tout à l'heure, ce soir, vous avez l'émission. De toute façon. Ce soir, l'émission à 21h. Voilà. Bonjour, Madame Siam Kanouch. Vous êtes de retour de Galma. Galma. Il y avait plein d'iris, justement. Il y avait plein d'iris. Ouais. Ça tombe bien. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de D'iris. Oui, Iris, bon, il faut dire que c'est une fleur qui descend d'un ancien personnage mythologique. Ouais. On va dire que Iris, c'est quelqu'un, c'est comme Hermès, au fait, c'est un correspondant, c'est un messager des dieux. Et c'était la messagère de la déesse Héra qui descendait sur Terre pour ramener les informations de chez Héra à Hercule, par exemple. Donc, c'était Iris qui était porteur. Iris était toujours porteuse de très très bonnes nouvelles. Du coup, Héra, donc la déesse, elle lui a offert toutes les couleurs. Et du coup, c'est aussi Iris, la déesse de l'arc-en-ciel. Donc, elle a englobé en elle-même toutes les couleurs du soleil. Du coup, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, j'y arrive. Saoussan, le dessin animé, si vous vous rappelez, messieurs, dames, de Saoussan, Anti Yaruhi Zahra, le dessin animé, c'est vrai que c'est un manga japonais, ok, d'accord. Mais justement, ça reflétait directement cette mythologie grecque parce que la petite Saoussan cherchait la magie de la fleur ou cette couleur. Et l'iris était justement cette fleur-là, une fleur magique qui portait cette couleur. Alors, l'énigme historique et l'énigme que personne ne pourra résoudre. On dit que Iris est la fille d'Electra. Et Electra, bien sûr, du mot Electra, nous avons donné le mot à cette énergie qu'on appelle l'électricité. Quand on sait que l'électricité est une énergie et que dans l'électricité il y a aussi les sept couleurs, comment l'homme à cette période-là a fait en sorte que Iris soit la fille d'électricité, soit la messagère de la lumière et la fille de la lumière et de l'énergie des couleurs du soleil. Là, Astantéane Oudib. C'est très énigmatique. Moi, je connais l'iris de l'œil. Aussi. Bah, ça, c'est venu bien après. On lui a donné l'iris parce qu'elle captait les couleurs, justement. Ouais. C'est le même système. Mais pourquoi Electra et ça, la maman? Pourquoi l'électricité? Mais vous avez la réponse ou c'est... Personne. Non. Ça reste comme ça. C'est très étrange. Est-ce que les mythes... Est-ce que les Grecs connaissaient... Étrange. L'électricité. L'électricité. Oui. La lumière, les sciences. Ah! On se pose la question. Ah bah oui! Est-ce qu'à l'époque on savait qu'il y en aurait un jour? Non, est-ce qu'à l'époque on avait cette civilisation, cette connaissance? Cette connaissance-là. Vous pensez qu'elle a existé? Oui, je pense. Personnellement? Oui, sérieusement, non, très sérieusement. On savait que ça existait, mais on ne l'avait juste pas développée à l'échelle. Elle était développée, elle était bien présente même. Nous, on n'a rien développé. On croit que nous sommes bien à l'avance des autres. Et en fait, nous n'avons même pas inventé un tube de dentifrice. Alors, je signe officiellement votre licenciement. Yep, Texaha, merci beaucoup. Allez, au revoir. Je viens de la libérer. Je l'adore. Allez, ciao. Je l'adore. La théorie du complot avec Siam Kanouch. Ah oui, l'électricité, elle existait depuis toujours. Et c'est nous, pas on n'a rien fait. C'est comme l'histoire de la télé. Quand on dit la télé des années 70, c'était tellement meilleur en termes de contenu, de style. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais. Bon. Ah, on n'a plus rien à dire, c'est la fin. Magnum, on passe à Magnum. Toi, te mêle pas. Alors, je vais t'expliquer une chose. Alors, je t'explique le rôle d'un présentateur. Oh oui. Lui, le présentateur prend les coups. C'est lui qui se fait virer, c'est lui qui se fait insulter, c'est lui qui se fait taper sur les doigts. Et c'est lui qui assume le temps et le partage. Alors, donc, quand moi, je prends la responsabilité d'avoir un Gilles Animach, une Siam Kanouch, une Myriam,
ou un rédacteur en chef là, qui commence à se prendre pour un chef, eh ben, j'assume le temps. Ah, et le temps, vous en avez, cher ami. On parle du look express ce matin. Oui, allez-y. Le look shamer. Le look shamer, c'est quoi? C'est-à-dire, ben, shamer, ça vient du mot maquillage. Donc, il y a de la coloration. Donc, aujourd'hui, pour vivre ensemble et travailler en très bonne équipe avec des vrais professionnels, on arrive à faire des looks express plus forts, plus smart et plus simples. Mais moi je connais Shame. Dans Game of Thrones. Et aujourd'hui, on peut travailler avec une très bonne équipe quand on est vraiment professionnel. D'accord. Et je suis très fier parce que je vais passer juste un petit mot parce qu'il y a un coiffeur que je ne connais pas du tout, qui est ici en Algérie. Qui un jeune Oui, un jeune qui bouge beaucoup, ça me fait plaisir parce qu'il est en contact avec moi tout le temps. Samir Madani. Oui, j'ai il m'a écrit, il m'a dit est-ce que tu peux pousser Julien à m'aider à... Parce qu'il voulait apprendre, apprendre. Il a appris pas mal de choses en peu de temps et aujourd'hui ça devient C'est un bon garçon. Hein. Très bon coiffeur. Super de garçon. Pointe sur Mouchen, c'est ça. Ouais. Ouais. Et il bouge beaucoup. Et il fait ce que je fais à peu près, il me demande des conseils, ça me fait plaisir. On se partage ensemble. Quand on travaille en très bonne équipe, on peut partager. Lui, il a besoin d'apprendre et moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. C'est très bien. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec une vidéo. Voilà. Oui. Sur un relooking express. C'est un look express j'ai filmé sur les parties de mes prochains reportages que je suis en train de préparer. Oui. On va passer juste une petite séquence d'une minute et qui va vous donner une idée sur un look express. C'est parti avec Joe le terrible, Joe la zizani, Joe Maaji. Il y a une partie maquillage. Oui, une partie maquillage que bon, j'aimerais bien répondre à certaines Jackson. Personnes qui m'ont écrit sur Facebook, qui sont des commentaires, qui disaient « Oh non, c'est pas beau », parce qu'eux, ils sont habitués à faire des maquillages style libanais, bien chargé, bien remonté. Ouais, alors que moi, je fais… Enfin, c'est pas un mariage, c'est un look. J'aimerais qu'ils comprennent. Pas chargé. Voilà, ils aimeraient que je charge, que de faire alors du libanais pas, c'est et pas tout. Le truc, non, quoi. Mais c'est pas mon truc, premièrement. Ouais. Déjà, ça c'est clair. Parce qu'avoir une autre femme le soir qui est complètement défigurée avec un look libanais, le lendemain, c'est plus la même. Bon, les Libanaises, elles sont jolies. Hein. Le look libanais est beau. Mais après, quand on en fait un peu trop, c'est vrai que ça ne va pas. Oui, mais chez les Libanaises, il y a beaucoup de la chirurgie esthétique. Oui. Mais là, c'est quand on veut imiter justement un look libanais, on se retrouve avec des yeux pas possibles et une bouche pas possible. C'est ça. Donc le conseil aujourd'hui pour le look express, c'est quoi? Look express, parce qu'il y a des gens qui sont très très pressés pour avoir un look en moins d'une heure. Et voilà. C'est quoi le conseil que vous donneriez? Le conseil que vous donnez tout court? Ah oui, qu'ils viennent faire pour une étude de morphologie et on leur réalise une coiffure qu'elles peuvent la réaliser chez elles en... Ah, donc il faut quand même passer par un spécialiste qui dit voilà, toi, t'as ton visage. You look par rapport à la morphologie, par rapport à l'étage cérébral, j'ai déjà expliqué, l'étage affectif, l'instinctif, la volonté, la sensualité et la sensibilité de la personne, puis arrive à trouver un look qui correspond à sa personnalité. C'est ça. Que les gens ne savent pas, qui ont du mal à le découvrir. Et look, c'est coiffure et maquillage. Look, maquillage, coiffure. Mais c'est quoi qui est à la mode actuellement? C'est les cheveux courts?
Non, non, pas, non, non, c'est pas du tout les cheveux courts, c'est par rapport à ta morphologie, où tu as les cheveux courts, où tu as les cheveux longs, où tu as les cheveux mi-longs, ou ta personnalité. Hein. Ouais. Une personne qui a. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent parce qu'elles ont. C'est des cadres, elles ont un poste important, elles aimeraient avoir un look qui correspond. Sévère, quoi. Oui, qui a de la présence, un poste veut qui dire a de l'assurance. Oui, c'est ça. Voilà. L'assurance. Ouais. Alors, pour le make-up, faut être à l'écoute de la personne et surtout au respect de la personnalité de la personne. Super. On ne peut pas lui charger, je fais de la coiffure, je ne fais pas du maquillage. Ouais. Mais j'aimerais passer ce mot-là, qu'on comprenne qu'il ne faut pas mélanger maquillage et coiffure. Très bien. Voilà. Hein, vous avez parlé, voilà. Il n'y a pas eu de problème. On a vu bien, la vidéo, on a écouté Gilani, c'était cool. Ouais. Non, super. J'ai peur. Non, 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 faut pas avoir peur. N'aie pas peur, Gilani. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tant qu'il y a toute l'équipe qui est là, n'aie pas peur. Tant qu'on sera pas là, tu seras bon pour parler de tout. Allez, camarades, en tout cas, c'était un plaisir. Plus d'infos, Gilani m'a lâché sur Facebook. Il y a toute l'actu. Plus d'infos. Vous avez un autre passage à part aujourd'hui ? À la télé ? Ou bien vos reportages et vos... Vous verrez mes reportages. Bientôt ? Bien, super. Monsieur, l'émission de ce soir ? Voilà, spéciale équipe nationale et puis éventuellement, on aura l'entraîneur du CRB. Voilà. Badou Ouzaki ? Non. Rachid Taoussi. C'est plus Badou Ouzaki. C'est un Marocain, mais c'est Rachid Taoussi. Pardon, hein. Madame, merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Camarades, c'était un plaisir. Habillez-vous en bleu, en solidarité avec les personnes atteintes d'autisme. Ah oui, avec les enfants autistes, les adultes autistes aussi. Voilà, n'oubliez pas. Happy Blue Day. Camarades, prenez soin de vous, vous prenez pas au sérieux, ça ne sert à rien. La vie, elle vaut d'être vécue et souriez de lui. Allez, celui qui vous déteste, bah... Normal.